S'il est vrai que le développement harmonieux d'une nation dépend des capacités de production et de transformation des matières premières par ses habitants, la culture de cette nation en est son véritable socle. Cette vérité incontournable a besoin d'être prise en compte dans le programme d'éducation de notre jeunesse. C'est donc en synergie que le gouvernement, les élus et structures décentralisées, mairies, conseils généraux, ONG et opérateurs économiques doivent travailler pour relever ce défi sans lequel le développement de nos pays et l'Afrique tout entière serait une utopie. L'éducation et la formation doivent se faire de manière concomitante afin de donner des outils nécessaires pour un savoir-faire pouvant donner une compétitivité à nos jeunes à l'heure de la mondialisation. La pratique doit immédiatement suivre la théorie. L'apprentissage des activités manuelles pendant les vacances scolaires, la prise en compte des déscolarisés au cours de ces activités sont une solution proposée pour répondre à cette attente. Mise en place en 1998 par l'artiste plasticien Augustin Cassis, le programme Atelier Vacances s'étend aujourd'hui sur plusieurs villes et villages en Côte d'Ivoire, mais aussi à Ouagadougou, Burkina Faso, à Bamako au Mali, à Niamey au Niger et à Douala au Cameroun. L'initiateur et promoteur de cette rencontre d'enfants et d'adolescents pour les arts et la culture entend élargir cette activité afin de faire bénéficier à une plus large population de jeunes Africains des bienfaits de ces activités créatrices, formatrices. Pour ce faire, l'artiste met sur pied une ONG appelée Fondation Harmon pour coordonner toutes ses activités nationales et internationales. Augustin Cassis parcourt à cet effet plusieurs contrées du continent, bravant tempêtes et pluies pour partager réflexions et expériences, mais aussi rechercher des partenaires pour l'installation du projet et sa mise en œuvre. Ici, le cas de Ouagadougou, Burkina Faso, où 7 encadreurs et responsables de centres sont partis d'Abidjan. Des séances d'expérimentation s'organisent pour tester l'intérêt des populations cibles. S'avance poursuivant son chemin à travers les tendances. Il est le père des enfants, quels que soient les problèmes. Il reste la même fidèle des tout petits. Tapez les mains, tapez les mains, les enfants, tapez les mains. Je voudrais que l'on soit sage. Des réunions d'information et de sensibilisation sont organisées avant l'ouverture des activités. Ces enfants-là sont nos enfants, ces enfants sont nos petits frères. Alors nous allons travailler, nous allons retousser les manches, attacher les conduits, travailler d'arrache-pied afin que nous puissions réussir. C'est ce que nous allons faire. Je pense que les uns et les autres sont déjà galvanisés avec tout ce qu'on a entendu cet après-midi. Alors, fasse Dieu que nous réussissons. Les encadreurs sont ensuite affectés, reçus et hébergés pendant 30 à 45 jours, le temps que dure un atelier. Atelier vacances avance, poursuivant son chemin à travers les tendances. Il est le père des enfants, quels que soient les problèmes. Il reste la même fidèle des tout petits.
bari ara no gida hari ni ndaran kan ni gubu kan kana shi ka bai gubuwa amace dubo radin ka dawo shi ka fomo maka musam amace wala kuma gori bun bora afo gogo ke ya hara afo gogo ke na men da daran ban aran mun aran kalin musha me kulun da asigangi indi ka a dan gogo don ayi musha dan ton binan go indi ka ni son pesa aran gogo an yarma. Les travaux en atelier sont précédés par des séances d'explication du thème de l'année. Explication sur la conduite à tenir, sur le matériel à utiliser, souvent méconnu par les non-initiés. Pour les initiés, c'est toujours un moment de plaisir intense. Dessins, peintures, collages, modélages sont exécutés avec toujours beaucoup d'intérêt par les auditeurs. L'art est pour certains un grand moment d'expression, d'échange et de partage. Travaux sur papier, toile, argile, un matériel adapté à leur niveau, à leur âge, leur sont proposés. S'avance poursuivant son chemin à travers les tendances. Il est le père des enfants, quels que soient les problèmes. Il reste la même fidèle des tout petits. Anthony Bacan s'avance poursuivant son chemin à travers les tendances. Il est le père des enfants, et quels que soient les problèmes, il reste la même fidèle. Atelier Vacances, un véritable cadre d'échange interculturel. Mademoiselle Marianne Sangor, étudiante aux Beaux-Arts de Dakar, venue en Côte d'Ivoire enrichir ses connaissances, confession de Tiebguen sénégalais avec l'assistance d'autres stagiaires. La visite des musées et d'autres lieux de culture sont des moments d'une grande importance à Atelier Vacances. Que tu sois du sud, que tu sois de l'est là, que tu sois de l'est, ressortissant du centre-ouest, que tu sois baoulé, que tu sois à l'adjan, que tu sois dioula, que tu sois bétéla, ressortissant du Niger, que tu viennes du Cameroun, que tu viennes du Mali là, que tu sois français, que tu sois japonais, que tu sois italien, et on va danser mon frère. Ouais, c'est ça. Hey. Oh. Hey, hey. On va danser. Thank you.
développement sans ses racines est comme un géant au pied d'argile. Des contacts avec des sages dépositaires de notre histoire sont plus que des moments attendus. Vestiges sont visités, us et coutumes sont mieux connus afin de mieux s'apprécier, s'aimer et se tolérer. C'est cela, Atili Vacances. Abobote, Blokos, Krenjabo, chef-lieu du royaume des Sans-Vie, Mossou, capitale du royaume des Hé, sont des hauts lieux de savoir qui sont visités par nos auditeurs. Donc on écoute attentivement. D'accord. C'est l'école, cette école de Mossou. C'est la deuxième école de Côte d'Ivoire. Après, Assini. Après, Yama, c'est la deuxième école. Créée en 1893. Le maestro Fijas Kofi. Honneur à l'ONG, Fondation Atmon. Qui dit mieux? Une affaire d'atelier vacances. Abercrombie! Atelier vacances. En Côte d'Ivoire. Ensemble! Atelier Moïse. Atelier vacances. En Bangourou. Albert Sartre. Atelier vacances. Gabi Ligos. Benjamin. Bédé Émile. San Pedro, Maway, on fait le modèle là-bas. Maway, on fait la poésie là-bas. Oh, oh, oh. Atelier vacances. Des moments de détente, balades lagunaires, pique-niques, séances de cinéma, souvent en compagnie des parents. Il n'y a pas meilleur moment que cela pour la famille. À Boisson, chers parents, inscrivez vos enfants à Télé Vacances. Le compte.
tout va bien. Tout va bien. Mon enfant, tapez la main. Tapez les mains. Les garçons, tapez les mains. Ah, super. Les filles, tapez les mains. Les garçons, tapez les mains. Toute famille, ma padère. Toute famille, ma padère. Des souliers de côté. Je m'appelle Anne Kadisemkel Antu. Je vais vous présenter une petite jolie poésie. Poésie, je suis fière. Pourquoi penses-tu que je ne sais rien? Je suis enfant et je fais tout bien. Car je sais écrire, chanter et dessiner. Quand je vois un grand, je me dis qu'il ne sait rien, car il a honte de danser, de dessiner et de s'amuser. Mais moi, je danse, je saute et je dessine. Avec tout cela, on me demande de grandir. J'y réfléchirai. Croyez-moi, mesdames et messieurs, chers parents, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bon, fini, papa, tout. Ah, mais, ça y est, ça y est.
Il n'y a pas flamme. Moi, je vais dire à mon sein. Bravo. Les clôtures de nos activités sont toujours des moments magiques et électriques. Fanfare, majorette, danse, théâtre, poème et notre concours Miss Peinture sont des moments très populaires. Ils arrivent, on peut les applaudir au fur et à mesure. On les applaudit très très fort. Voilà, la fanfare. On va les mettre, au son de la fanfare. Comme les tout petits les font, hein. On y va. Ambiance faite ici. Avec nous les tout petits titi afin de nous faire vivre les instants merveilleux. Atelier vacances. Let's go!
pendant 2 minutes, à moins. C'est là que j'ai vu que le concept de Don Maïk avait marché. C'est pareil que... C'est pareil. Non, 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 c'est pas ça. Et le noir. Bien. Tu nous parles. Pour évoluer dans la vie. Semble. Bon. Bon. Alors, toi, tu as utilisé quelle couleur? Le bleu. Le vert. Le rouge. Le marron. Le jaune. Bon, ça va. Bon, ton tableau c'est quoi? Tu veux parler de quoi dans ton tableau là? De la maison. De la maison. C'est quoi? Qu'est-ce que une maison c'est quoi? Où on habite. Où on habite? Oui, pourquoi pas? Et donc nous avons expliqué tout le contenu de notre thème aux enfants et à partir de cela, ils ont chacun réalisé un tableau. Donc ils sont là pour défendre leur tableau. Tout joyeux, tu viendras pour apprendre à chanter, apprendre à dessiner, atelier vacances. Tu verras mon ami, tu apprendras avec tes camarades beaucoup de choses là-bas qui te transformeront. Tu seras toujours avec nous les tout petits titi afin de nous faire vivre. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, c'est non parce que je dis vraiment mes mains. Là, aux eaux là-bas. Vraiment, si ce n'est pas vous là, on ne voit personne. Atelier Vacances, c'est aussi l'occasion de partager avec les populations démunies. Notre volet social se charge de soulager ceux qui en ont besoin. Et Dieu seul sait s'il y en a. C'est pourquoi le soutien de tous est attendu pour une synergie d'action. Chanter, apprendre à dessiner, atelier vacances. Tu verras mon ami, tu apprendras avec tes camarades beaucoup de choses là-bas qui te transformeront. Chante, 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 atelier vacances, des amis. J'ai le droit d'être aimé comme tout enfant. J'ai le droit d'être soigné tout enfant. Et bonjour Bernadette Nicodème. Mon poème est intitulé l'école d'avant. Appelez-le comme vous le voulez. Mais moi, je n'appellerai pas ça une école. Croyez-vous que c'est une école sans bâtiment, une école où les élèves ne portent même pas d'uniforme, une école où il n'y a pas de table où les élèves pourraient s'asseoir. Même si cette école n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, elle est bien meilleure que la nôtre. Oui, les élèves qui y allaient ne faisaient pas de leur plein gré, car les colons les venaient chercher des forces pour les emmener à l'école. Mais les colons, eux, le faisaient pour une bonne cause. N'est-ce pas une bonne chose que les colons aient apporté l'école dans toute l'Afrique? Nos grands-parents avaient raison de l'appeler une école. C'est de cette école-là qu'ils sont sortis et ont transmis les bonnes manières à nos parents qui allaient toujours les transmettre. Nous devons quand même la bonjour chers parents,
Je me nomme le Saint-Afrique Marie-Roxane. Mon poème est intitulé « L'école de mes rêves ». J'ai rêvé, rêvé d'une école. Une école de rêve, une école sans barrières religieuses, ethniques, raciales, tournée vers l'excellence. Une école sans grève où noirs, blancs, jaunes, métis rassemblés apprendront les mots paix, amour, pardon et solidarité. Si mon école existait, comme le monde se porterait bien, j'ai rêvé et bien rêvé l'école de mes rêves. Je vous remercie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday. Janan Uluwe, Atelier Vacant Uluwe, Landrue Uluwe, Onimuri Uluwe, Francis Eli Uluwe, Zabonu Muli Uluwe, Kasiye Uluwe, Uluwe, Tinu Munu Uluwe, Natalie Uluwe. Wana tika na blog eta kama aya wono enea aya wana atelier vacances wa atelier vacances atelier vacances wa